Coucou tout le monde, me revoilà. Donc on est le 5 décembre et voilà, en fait le 5, je l'ai là. Va falloir que je le retrouve. Rien ne vaut un bon nettoyage. Donc à mon avis c'est un gros flacon, quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de pas si grand que ça aussi au final, mais qui est pour les mains. Alors ça non parce qu'il y a le nom. C'est bien collé. Puis c'est souple, donc ça pourrait être une lingette démaquillante, tout ça. Vive les vacances d'hiver. Donc non. Ça, c'est lourd. Il y a écrit attention, je casse. Donc non. Mais ça, il n'y a pas de. Ah si. Nourrit sa peau. Un moment cocooning. Alors, je vais essayer de deviner en fait par rapport à les tickets que j'ai. Donc ça, je pense que nu ou sur un rouge à lèvres. Donc je pense que ça peut être ça. Quoique non. Quoique, peut-être. Je me dis que ouais. Je suis une petite abeille. Donc non, ça c'est le 12. Ça peut être un truc de nettoyage, ça. Ah, quoique, avoir bonne mine. Je me dirais que ça peut être ça, en fait. Que j'ai ouvert le 16 à la place du premier. Que je ferai, quand on fera le 16, j'ouvrirai le premier, en fait. Non, ça, c'est tout doux. Alors, je me spoil peut-être, mais je pense savoir ce que c'est. Donc, pour ça que je le mets le 10 dessus. Des yeux de biche. Je vois bien ça avec parce que ça sent le make-up. Au toucher, je sens le make-up. Je sais pas quoi, parce que ça peut être plein de choses. Mais. Donc voilà. Bon, rien ne vaut un bon nettoyage. Non. Je vois pas ça dessus en fait. Et là, ouais. Un corps parfumé peut-être avec celui-là. Puis bon bah je vais ouvrir lui parce que je c'est le seul qui me reste sans étiquette. Donc voilà, c'est un comme ça. Donc rien que vaut un bon nettoyage. Ça se trouve c'est un stick de make-up ou un gel douche. Ouais. Alors ah, je pense que je me suis pas trompée en fait parce que ça ah les démaquillants. Je me suis trompée, je pense. Ouais, ce que j'avais vu, on se démaquille. Et je pense que c'était l'inverse, en fait. Voyez? Ça, c'était le 5. Et on se démaquille. Donc, c'est la Cassiden en Provence. Les démaquillants. Je vous montre. Et ça sent. Ça sent très bon. Alors, c'est à l'huile d'avocat et de sésame. Et c'est à une odeur de fleurs assez subtile. Et c'est du Made in France. Ça vient de Cassis. C'est un flacon de 50 ml. Donc, c'est bien parce que ça permet de tester des produits que je connais pas. Et en l'occurrence, ça sent le savon. Voilà, ça sent le propre. Ça sent le propre et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai ouvert le 11 à la place du 5, parce qu'à mon avis, c'est ça. Quand il faudra ouvrir le 11, bah j'ouvrirai le 5. C'est comme pour le 16. Voilà, je suis désolée Emma, je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Je dis c'est pas grave. On va remettre tout ça dedans parce que là, j'ai foutu un sacré bazar. Pour chercher le petit cadeau. Mais en tout cas, tu m'as gâtée, Tu m'as chouchouté quoi. Oh, j'adore cette odeur, c'est une dinguerie. Oh, je suis. Oh, j'aime. Je vais me shooter avec cette odeur. Ça sent vraiment le propre. Ça sent le linge propre. Oui, ça sent le propre. Je peux pas dire autre chose en fait. Ça sent le propre. Et c'est une super, super odeur. J'aime de ouf. J'aime de ouf. Voilà. Et du coup, bah, celui-là, le Bonne Mine. Ça, à mon avis. C'est un highlighter ou un truc en stick, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça. Quoique. Je sais pas. Ça fait du bruit.
je pense que je me suis encore trompée. Je pense que c'est pas le 1. À mon avis, c'est pas le, entre guillemets, maintenant le 16. Bon, je vous dis à demain. Allez, bonne soirée. Bye bye.